Io dico solo due parole di introduzione, dicendo che prima di tutto ringrazio la Fondazione e i gruppi politici che ci hanno consentito di poter fare questo incontro. Un incontro che, va detto subito, è stato non semplice organizzare, tant'è vero che negli ultimi giorni ci è stato chiesto di togliere il logo del Parlamento europeo dagli inviti, mentre i parlamentari hanno il diritto di usare questo logo per le manifestazioni e gli argomenti che riguardano direttamente ovviamente l'attività parlamentare. L'incontro di oggi si prefigge uno scopo principale, non è una guerra contro nessuno, è semplicemente cercare di analizzare un problema. Si può cercare di parlare in francese se usate la bonne attenzione di non riprendere le foto. Allora, je disais che la rencontre aujourd'hui, c'est un rencontre, c'est comme ça, on préfère avoir la traduzione en anglais, e pour celui qui ne parle pas ni anglais ni français, je ne sais pas que. Alors, ce n'est pas la guerre contre quelqu'un, c'est la nécessité, après beaucoup d'années dans lesquelles nous avons travaillé, beaucoup de parlementaires, de commissions, pour chercher de trouver une solution à un problème très lourd. Nous avons une situation différente pour notre enfant à l'intérieur de l'Union européenne. Nous avons fait une union pour laquelle nous avons des lois qui nous obligent à rendre tous nos bureaux avec les mêmes règles. Nous avons une monnaie unique pour 17 pays. Nous avons presque les 80% des lois à niveau national qui arrivent directement dans les lois de l'Union européenne. Mais nos enfants ne sont pas pareils. Les enfants qui sont des filles, des parents d'une double nationalité, s'ils sont de nationalité française, italienne, tout va bien. S'ils sont de nationalité allemande, français, italienne, anglais, etc., les enfants, ils doivent presque tout vivre en Allemagne. Ça, ce n'est pas une situation que on veut soutenir encore pour beaucoup. Je pense que c'est nécessaire que l'Union européenne, la Commission, surtout le Conseil, va s'occuper d'un problème pour rendre surtout l'Union européenne et pareil les règles pour la vie des enfants et pour donner à tous leurs parents les mêmes droits pour les éduquer et pour respecter les deux langues nationales, parce qu'il n'y a pas la langue d'un seul seulement de la mère ou de le père, il y a la langue de tous les deux, de la mère ou de le père, qu'on doit être respecté pour les enfants. Alors, pas de polémique, on a tout là notre capacité et volonté de chercher de donner une aide à résoudre un problème, que c'est un problème d'injustice et que c'est un problème très dangereux, même pour le futur de l'Union européenne. Parce que notre enfant d'aujourd'hui sont des futurs citoyens européens. Et seulement si on a les mêmes droits, s'ils sont écoutés quand on veut pas s'entendre, et si on a des institutions qui sont pareilles pour les aider dans tous les pays de l'Union européenne, nous aurons de même des citoyens européens pareils qui peuvent travailler ensemble per costruire ancora la paix e la democrazia. Autrement, nous avons toujours des injustices, des différences, et les différences, les injustices sont contre la démocratie et contre le futur. Moi, je n'ai rien dans ce moment d'autre à dire. Je remercie tous ceux qui sont intervenus, mais surtout celui qu'on a vécu particulièrement sur leur peau, une situation difficile, en particulier. Merci à Madame Colombo,
Pascal a eu le courage de mettre sa expérience personnelle à disposition de tous les autres parents qui ont eu des problèmes pareils avec elle. Et maintenant, je donne la parole.